Bonjour et bienvenue à l'actualité de l'industrie présentée par LeapRate et Ducascopy TV. Le report du milieu de mois sur le volume de détail de Forex pour septembre a vu les volumes FX institutionnels et de détail progresser de 25 à 35% de manière généralisée. Compte tenu des données préliminaires de deux premières semaines, il semble que le mois d'octobre puisse devenir un autre mois très fort des échanges FX. Le mois d'octobre n'a pas connu de grande volatilité sur les marchés d'échange qu'on a observé en septembre. L'euro-dollar est resté plutôt dans une fourchette comprise entre 1,26 et 1,27 au cours du mois. Si les volumes restent à ce niveau dans la deuxième moitié du mois, octobre sera le troisième meilleur mois jamais vu. Après une hausse surprenante de 7% en juillet, les actifs des clients détenus par les courtiers Forex de détail américains réglementés ont poursuivi leur baisse lente mais constante en août, ayant perdu 2%. Le total des actifs des clients détenus actuellement s'établit au niveau de 619,7 millions de dollars, comme le 31 août 2014. L'industrie reste assez concentrée. Trois grands acteurs, FXCM, Wanda et Forex.com de Gain Capital, détiennent plus de 73% de tous les clients. Derivative System Technologies devient MetaQuote Software pour augmenter la base de clientèle de MetaTrader dans cette région et pour élargir la géographie des ventes. MetaQuote Software annonce son expansion. Derivative System Technologies va agir à titre de mandataire en Afrique du Sud. Le nouveau bureau de représentation sera responsable de la promotion des plateformes de négociation MetaTrader et du système de gestion d'entreprise TeamWorks. Le groupe d'experts de IBM choisit un outil de négociation FX Magic comme la plus prometteuse start-up en Scandinavie. L'outil de négociation en ligne Magic, qui permet aux traders d'initier des stratégies de négociation algorithmique et ne requiert pas de compétences en programmation, a remporté IBM Smart Cap Nordic 2014 comme la start-up la plus prometteuse en Scandinavie. La nomination vient seulement 4 mois après que Magic a été présenté au public pour la première fois. Enjoy your weekend. Bon week-end et ne manquez pas nos mises à jour qui paraissent chaque heure. Au revoir.